Le 31 août prochain sera le 22e anniversaire de la mort de Lady Diana. Et à cette occasion, Meghan Markle et le prince Harry ont prévu un programme très spécial. En effet, comme le rapporte le Daily Mail, le couple Sussex a décidé d'amener leur petit Archie sur la tombe de sa défunte grand-mère afin de lui rendre hommage. Inhumé à Altor, dans le parc de la demeure historique de la famille Spencer, c'est donc dans le Northamptonshire qu'il devrait prochainement se rendre pour célébrer cet anniversaire. Une première également pour Meghan Markle. Harry veut que Meghan voie le lieu de repos de sa mère, a déclaré une source au tabloïd. Chaque année, les princes William et Harry se rendent par deux fois sur la tombe de Lady Diana, le 1er juillet, date de son anniversaire, puis le 31 août, jour de sa mort. Cependant, ce voyage avec son épouse et Archie sera une première depuis deux ans pour le prince Harry, qui ne s'y est pas rendu depuis 2017, préférant plutôt à cette occasion assister aux messes rendues en hommage à sa mère par l'archevêque de Canterbury. En dépit de la mort de Lady Diana, son fils Cadet s'est toujours appliqué à maintenir les liens avec sa famille. Tandis qu'il avait invité les frères et sœurs de sa mère ainsi que ses cousins et cousines à son mariage, le prince Harry avait également convié ses tantes, Lady Sarah McCorkodale et Lady Jane Fellow, au baptême de son fils Archie. Une première pour les sœurs de Diana, qui n'ont par ailleurs jamais été invitées au baptême des enfants du prince William.